la fabrication de ma bambie. Donc vous prenez 15 mètres de fil avec son enrobé. Vous prenez, quand vous avez pris les 15 mètres, vous prenez les deux bouts et vous allongez pour faire une boucle à l'autre bout. Après, quand vous avez fait votre boucle, vous mesurez 10 mètres 835. Moi, j'ai déjà fait pour aller plus vite. Donc, vous repérez donc par deux petits points blancs ou de votre couleur de choix. Vous les laissez bien jointes. Donc, après, je me suis confectionné des petits embouts en bois, en plastique, comme vous voulez, à votre choix, que j'ai percé. Donc je les emboîte dedans, sans repère, sans rien. Quand ils sont emboîtés, vous les faites passer donc derrière les repères qui sont toujours là. Vous reprenez les deux bouts. Vous prenez un Y que vous trouvez dans le commerce. Ça vous coûte 4 sous. On emboîte un fil d'un côté. Le deuxième de l'autre. Moi, il n'y a pas de problème. Ça passe. Par contre, il faut bien rejoindre les deux bouts et vous allez jusque à vos deux repères. Qui sont donc ici, vous mesurez à 2 cm qui doit se trouver au milieu du Y. Donc de l'autre côté, j'ai tiré un petit peu fort. Voilà, vous faites comme moi un petit bout de scotch pour vous faire travailler, pour pas que ça bouge. Et donc la phase critique, le transport. Je coince dans les taux. Pour écraser le Y. Voilà. Ça a bougé. Transfert. Ça, c'est a bougé. Essayez de resserrer mon scotch, éviter que ça bouge. Je resserre. On va écraser le Y. Et donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, pour faire le transfert, donc il faut tordre dans le sens des aiguilles. Ça va se faire tout seul. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut garder toujours les mêmes spires. Voilà, sans lâcher, parce que sinon, il faut recommencer à chaque fois. C'est ce qui est le plus dur. On va essayer de faire le plus régulier possible. C'est un petit peu long.
qu'il y aura mis un petit peu tout à l'heure. Il y aura moins de longueur de fil. Car faut tout recommencer. C'est le transfert qui est le plus long à faire. Une longueur de 1,64 m exactement. Ça va déjà un petit peu mieux. Il y a moins de fils, moins de boucles. Donc, il faut le faire jusqu'au bout. Relâcher, vous verrez, ça fait mal aux mains. On a les doigts un petit peu endurcis, mais faut se dire que vous arrivez du haut but. C'est là que vous risquez de lâcher. Jusqu'au bout sans lâcher. Voilà, donc vous avez votre transfo de fabriquer.